Et c'est parti, mesdames et messieurs, loser final, losers finals. Ursus Beck contre Mescol, c'est parti. C'est maintenant. Tout de suite. Et ce sera parti donc sur PS2, pas trop de surprises ici, étant donné que c'est certainement un choix qui est fait ici hein, du côté d'Ursus Beck, qui était bien en confiance hein, sur la game précédente, ça s'est ressenti. Et immédiatement, Mescol qui prend la première agression, oh là là, Mescol, et qui le re-sanctionne, et on monte directement à 67%, et effectivement les boules de feu qui vont être un bon outillage. Le Zizi, faudrait peut-être que j'arrête de prophétiser, parce que là pour le coup, ça pourrait se retourner contre moi. Alors clairement, la Mescol qui pour l'instant propose une ouverture de game 1 impeccable, hein, avec 85%, il a perdu une neutrale très peu de fois, une seule fois, je crois qu'il a perdu une neutrale pour l'instant, et oh là là, mais Ursus Beck qui était spécialiste des bûches ce soir, oh là il est en feu, il est en feu, lui qui n'avait pas la confiance oui. sur la game, qu'il a été en train de se dire, non mais laissez tomber, je mets absolument tout, Mescol qui l'a tenu, qui lui a absolument mis tout ce qu'il pouvait et qui a beaucoup joué finalement sur de l'anti-distance. Le down tilt, le forward tilt, la boule de feu pour le contenir derrière. Il n'a pas besoin de partir sur du combo. Le neutral air pour contester un tant soit peu. Le down tilt ici, le down air pardon qui est testé ici. Mais Skull qui a une fin de cette losers fight, de cette grande final. Oh là là, mais Mescol par contre qui se fait toucher sous le ledge par le, dun, par le jab, c'est quand même incroyable. Vraiment, c'est incroyable ce que nous propose Mescol. Mescol pour l'instant qui a un lead, mais il a plus d'un lead d'une stock, c'est incroyable. Alors que il le bloque au ledge. Peut-être un smash qui est trouvé. Mais non, mais c'est dingue ce qui est en train de se passer. Et c'est un 2 stocks d'avance pour Mescol pour l'instant. Pour Susbeck qui nous a proposé une game incroyable, mais là pour l'instant, c'est Mescol qui montre, eh ben, c'est qui le dragon, le vrai dragon quoi finalement. Ok, finalement. Là, on a Mescol qui le tient en respect au ledge. Est-ce que ça va être un 3 stock? Non, quand même pas un 3 stock pour cette première game d'ouverture. Ursus Beck là qui... Non, Ursus Beck qui n'arrivera pas à trouver l'ouverture contre Mescol. Mescol qui space parfaitement. Il a beau être agressif, il space parfaitement quand il peut. Quand il veut, et là c'est terminé. Et le tipper up, qui le tue à 117%, 98% seulement son CD. Pour cette première game, c'est une destruction, mon cher mec. Mais combien de temps a duré cette game complète? Ça a duré à peine 2 minutes, je pense. Mais complètement dingue! Complètement dingue! Les bonnes réponses au final, exactement ça, pour gérer un adversaire sur le distance. 1 minute 50. 1 minute 50, incroyable. On le tient sur le down tilt, on le tient sur le forward tilt, on le tient sur les boules de feu, on lui fait un bon anti-air pour faire une phase de juggle. Là, Mescol, il a envoyé un message, il l'a regardé, il lui a fait « Ça, c'est pour la mort de mon pote, enfoiré. » Là, Raflo, vraiment, tu es vengé. Et c'est pas terminé, puisqu'il reste encore 2 games avant de pouvoir partir en grande finale. Et oui, effectivement, ce paire de réglés qui fait plaisir à voir, en effet. Là, il a tué très, très, très tôt le Ursus Beck. Hein. Il allait le chercher vraiment haut dans la blast zone. Mais là, Ursus Beck, on sait, on connaît sa capacité d'adaptation. On se rappelle, hein, il avait quand même... il avait concédé une deuxième game... très 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 solide aussi contre Raflo hein, au set d'avant, et pourtant c'est lui qui est ressorti vainqueur de set, donc on sait pas encore, on n'est pas mais c'est pas vrai. Mais alors que je parle ça, alors que Mescol qui revient sur le terrain, il dit ah, là tu vas side B, là t'as pas le choix, et du coup le F-Smash qui arrache la stock de, parce que ce F-Smash par contre, je tiens à le dire, c'est un F-Smash qui a un sound effect le plus jouissif du jeu. Ah mais là c'est absolument, là c'est une folie. Là c'est une folie, là c'est un plaisir de voir Mescol là-dessus, on sait pas ce qu'il nous fait. Si jamais il débarque après dans le chat et qu'il fait « Excusez-moi, j'ai mal joué », alors là, mais je vous jure que ça va mal se passer. 113%, on arrivera à survivre là-dessus, très bonne DI, on va pouvoir revenir, attention quand même avec les sauts, doucement sur le bord de terrain, on a de la rage, on peut encore la capitaliser. Du côté Ursus Beck, qui doit réussir à récupérer cette stock, mais voilà, le Zizi, et définitivement, c'est du vrai harcèlement sexuel qui est en train de nous faire, Mescol contre son aîné là-dessus. Attention, le break shield, très bonne roulade derrière pour contenir, et on sera contesté son side B là-dessus. Encore un B qui déconnecte, décidément Ursus Beck n'aura pas le champ sur ses choix week-end ce soir. Et un backer qui est trouvé finalement. Et c'est la première stock de Ursus Beck qu'il arrive à décrocher ce soir contre Mescol. Mescol qui vraiment est en feu. Il est déchaîné, il est complètement déchaîné, il essaye le plus possible. Il s'en fiche d'être corner du moment qu'il arrive à tenir la distance sur son adversaire, c'est très bien fait. Il reste patient, il fait attention, il tient l'adversaire là-dessus. Ça permettra pas encore de prendre le kill évidemment à 138 avec une très très bonne DI. Attention tout de même sur le focus là-dessus, il faut réussir à garder ses distances pour éviter de se faire surprendre, tout de même pas trop prendre la confiance. Oh là là, la mauvaise DI sur la dash attack, ouais. Ça a failli tuer à 70%. Mais attention, là on se rappelle, hein, Ursus Beck quand il arrive à survivre
Ursus Beck, quand il arrive à survivre, ça veut dire qu'il a de la rage. Et quand il a de la rage, Ursus Beck, on sait bien sûr. Un Shoryuken à 80. Mais là, ce sera un side B qui va sécuriser la stock pour Ursus. Pour Mescol. Non, là pour le coup, Ursus Beck qui a vraiment fait une erreur entre guillemets, mais là vraiment jouer autour du focus, c'est quand même dommage. Heureusement, il arrivera à remettre les compteurs à zéro. C'est pas encore terminé. Ceci dit, si ça se joue comme la game est en train de se faire depuis tout à l'heure, ce sera quelque chose qui sera fait à l'avantage de Ridley. On peut encore surprendre avec son outillage puisqu'on reste beaucoup sur ses fondamentaux. Ceci dit, attention, on est quand même face à Ours et là, Ours qui récolte déjà 50%. Le match très bien fait. Le jab en sortie de side B très bien fait aussi. Les boules de feu, attention sur un Shoryuken, ça peut être fatal. La roll qui a parfaitement été négociée, elle a évité toutes les boules de feu. Mais attention, faut pas trop se rapprocher de Ursus Beck, parce que Ursus Beck, si vous rapprochez trop de lui, c'est des down tilt que vous allez prendre. Et les down tilt, ils ont un très beau potentiel de combo, vous l'avez vu jusque là. 110%, ça veut dire Shoryuken, ça veut dire les pourcents du Shoryuken, 111%. Ursus Beck ne va pas encore mourir. Entière. C'est un Shoryuken en entière qui est trouvé. Mescol qui a eu le feu sacré pendant une game et demie. Est-ce qu'il va pouvoir le récupérer sur une game numéro 3? Nous allons le voir bientôt. Non, là, pour l'instant, ce qu'il a réussi à montrer, c'était vraiment qu'il avait une possibilité et une domination sur son adversaire qui était quand même extrêmement propre, notamment sur la game 1. Et sur le début de stock, hein, ce forward smash, juste splendide. Par contre, derrière, malheureusement, on a eu, voilà, Ours qui a pris un peu plus ses infos, qui joue un peu plus la patience, qui s'est remis des premières baffes qui s'est pris dans la tête. On n'est plus sonné et on peut répliquer. Et on va pouvoir donc se ressaisir pour cette game numéro 3 de Losers Final entre Mescol et Ursus Beck, qui promet d'être beaucoup plus nerveuse que les games suivantes. Ah non, mais encore une fois, comme on le disait, hein, mais la force d'adaptation de Ursus Beck est incroyable. Elle est exceptionnelle, c'est incroyable ce qu'il nous propose. C'est-à-dire que là, il est passé de « je me fais 3 stocks » à « j'allais me faire une stock, j'avais une stock de retard, et finalement c'est moi qui conclue la game, quoi. Mais c'est incroyable. » Ah, là, on trouve vraiment des bonnes options là du côté de Mescol là, pour le retenir. On reste un peu plus sur les fondamentaux par rapport au déroulé de la deuxième partie. On reste un peu plus sur le forward tilt. Ça marchait mieux à la game précédente. On conteste les approches. On tient un petit peu l'adversaire en joue. On est prudent. Le neutral air qui fonctionnait bien aussi pour contenir l'adversaire en entière. C'est bien fait pour le moment. On fonctionne bien. 98%. Malheureusement, un tout petit peu d'audace autour de ce up smash. Attention à ne pas se faire retourner là-dessus. Le sweet spot qui n'est pas trouvé côté Ken. Et heureusement le der n'aura pas été le der sweet spot, celui qui spike, du coup ça permettra à Mescol de ne pas subir de mort prématurée à 55%. Le dragon de métal qui survit encore un peu, qui a une stock de répit, est-ce qu'il va prendre la première stock? Du coup avec ce side B, non, ce sera pas pris, Ursus Beck qui se protège avec ce... Il va le chercher, est-ce qu'il va nous refaire une raflo? Non, ça va, il a réussi à survivre. Ouh, le aperçu, le stage qui est trouvé par Mescol. Et là, Ursus Beck, il doit l'end. Il l'end parfaitement avec la focus. Non, le Shoryu qui va pas tuer. Oh là là, le Shoryu qui... J'ai cru que le Shoryu allait tuer à 85%. Heureusement. Le back air qui est trouvé. Mais j'ai l'impression qu'il avait crouch cancel, le bon West Call, là. Et là, ça pourrait être compliqué. Il ne va pas se faire avoir. Il s'écarte du ledge pour ne pas le prendre un upper sur le ledge. C'est très très bien ce qu'il fait, Ursus Beck. Il est patient. Il sait que Mescol va devoir un jour ou l'autre sortir du ledge. Même si Mescol, pour l'instant, là, il a l'air de prendre son temps. Ah, la dash attack. La dash attack, finalement. La dash attack, très très bien trouvée, hein, la croque. Je m'attendais vraiment de voir l'input qui pouvait nous faire. Le side B, ça pouvait passer. On a 118%, c'est encore exploitable au niveau de la rage. Attention tout de même à ne pas trop jouer dans les airs, on l'a bien vu, hein, qui pouvait se faire contester là-dessus. Le back air qui vient trouver ici, le fer également. Attention tout de même sur ce side B à 43%, qui peut vraiment se faire sanctionner. Et derrière, on a Mescol qui continue de rejouer encore une fois bien comme il faut sur ses fondamentaux. Ça marche très bien, ce neutral air. Ça marche très bien, ce zizi. Par contre, attention, le fer ici qui permet de relend. Et attention, on retourne sur une égalisation, mais on a bien un bon lead et pour le moment l'aîné continue de se faire chahuter par le cadet. Tout à fait, là vraiment pour l'instant c'est Mescol qui a réussi à reprendre une game en contrôle, un peu comme la première game quand on avait vu. Et là où il a tenté deux tentatives d'edgeguard avec ce nerf, finalement ça n'aboutira pas. Mais là Ursus Beck qui a un retard, qui accuse un retard d'une soixante-dizaine de pourcent à peu près. Et là Mescol qui arrive à repousser pour l'instant le Shoto. Mais Ursus Beck ne se précipite pas, hein. Il arrive à trouver les quelques occasions et ça lui suffit pour l'instant, parce qu'il est à 40%. 40%, attention, parce qu'une ouverture sur Ridley, ça pourrait dire 45% de plus. Ah, side B très très bien vu en Whispunish, ça ne va pas encore prendre la stock. Ridley qui va très très low avec son air. Il avait gardé son saut de main, il n'en avait même pas besoin de toute façon pour revenir. Il arrive à tanker ce nerf avec la focus attack.
60%, ah, ça peut commencer à faire peur là, parce que cette dash attack qui n'arrive toujours pas à prendre, alors que on a un Ken Full Rage ici, hein. Il y a un Ken Full Rage. Je sais, je vais me répéter. Ok, et finalement, Mescol, mais très très bien vu. J'ai l'impression qu'il a réussi à le toucher juste après la fin de sa galop attack, alors que Dom's Rose Easy ici. Into Dun Tilt, Into Fair. Backer. Ok, Backer qui a trouvé très très bonne ouverture là. Ouverture de Mescol qui a lead sur 75%. Oh là. Et un Forest Smash tout simplement! Tout simplement, Forest Smash. Sens mon haleine un peu là, sens mon odeur un petit peu. Prends-toi bien le sulfure dans la gueule. Extrêmement bien joué de la part de notre joueur Mescol qui réussit à bien le ressaisir, à bien le sanctionner. Par contre, attention, il nous a fait une face sur cette dernière stock absolument propre, mais c'était complètement fou. Le backer qui a empêché toutes les approches possibles après avoir essayé de contester en edgeguard. On a essayé d'aller le saisir après ce air derrière le upper qui était un coup absolument génial sur le bord de plateforme. Et pourtant, Oussouzbek avait l'information à ses pourcentages, il aurait dû s'en méfier. Et ça ramène donc une situation absolument impeccable sur un 2-1. Et on avait vu à plusieurs reprises Mescol se concentrer sur ce forward smash parce qu'il sait que de temps en temps, avec le wave bounce et le B-reverse de notre ami Oursouzbek, ça peut se solder derrière par justement un shift de Earthbox. Et justement derrière, c'était très bien fait. On a tenu l'adversaire en haleine et on lui a soufflé à la figure sans mon haleine. Est-ce que ça sent bon? Je ne sais pas, t'es déjà trop loin pour me le dire. Ah là là, ça y est, il a fait plaisir. Il a fait plaisir au chat. Il a fait plaisir au chat, ça va exploser dans le chat. C'est un Ryu, mesdames et messieurs. C'est le switch Ryu, effectivement, ça là de ton qui la colle. Alors je ne sais pas trop pourquoi, peut-être qu'il se sentait pas à l'aise du coup, parce qu'il va devoir jouer plus un peu la distance cette fois, parce que on connaît l'avantage que la différence qu'a Ryu par rapport à Ken. Il peut utiliser ses fireballs qui sont plus lentes, qui sont à multi-hit. C'est peut-être la raison de son switch ici. Effectivement, c'est peut-être pas très noble de les utiliser à outrance. Hein. On connaît tous les joueurs de Street Fighter, hein, qui abusent de leur boule de feu. Mais du moment que ça fait les affaires ici, faut pas oublier. Hein, hier, on a quand même eu une grande finale du Wanted avec un Sonic. Donc après tout, hein, faut pas oublier. Voilà. Là, ici, le gameplay, ça va être beaucoup de boules de feu, beaucoup de boules de feu. Ceci dit, si Mescol arrive à trouver les bonnes occasions de tenir l'adversaire en haleine, comme il le fait ici, on est quasiment sur un égalitaire. Attention tout de même, hein, avec cette sortie de shield un petit peu trop rapide, on peut vraiment, vraiment trouver une situation qui peut aller à son avantage. Attention tout de même, on est corner ici. Et le problème là de Ryu dans ce match-up, enfin la différence de Ryu dans ce match-up principal, c'est que maintenant Mescol pourra jump un peu plus librement, puisqu'on sait que le Shoryu de Ryu n'est pas aussi efficace que celui de Ken en matière d'entière. Ouh, alors que là il a tenté la petite surprise avec le bon smash cancel, le car cancel en into side B. Et c'est un backer qui est trouvé, et finalement pour l'instant le switch Ryu qui fonctionne. Hein. Et pour l'instant le switch a l'air de marcher. En fait, on arrive un peu plus à tenir la distance et à agresser l'adversaire là où pourtant il est en confiance, à savoir cette situation de mid-range. Et là, des résultats, dès qu'on arrive à trouver des hits, forcément, on trouve directement 40%. Il faut absolument réussir à l'end d'un backer. Ou ne serait-ce peut-être qu'un F-tilt à 140%, peut-être pas au centre du terrain, mais Ours qui joue vraiment bien ses déplacements avec ses espèces de petits pas chassés. Par contre, quelle surprise directement sur ce B. L'atterrissage en pleine poire et ça dégage. Et on continue d'essayer de jouer autour de cette plateforme. Malheureusement, ça ne passera pas. Et on continue doucement, tout doucement, de se faire gratter du côté de Mescol, puisque Oursouzbek, après s'être fait surprendre, continue de jouer son jeu défensif. Ah, il est vraiment arrivé en Mustang là. Il est arrivé, il a dit écoute, moi, t'es Shoryuken de feu là, t'es Hadoken de feu, il me fatigue. Laisse-moi juste faire B dedans là, parce que c'est bon, fini les conneries quoi. Je crois que ça va être suffisant. Non, c'est fini. Très très bonne edgeguard de la part de Mescol. Est-ce que ça va être un 3-1 pour Mescol, peut-être? Attention tout de même, là, à pas se faire prendre par sa chassée, on va devoir revenir dessus. Il a poussé, il savait qu'il avait la game d'avance, et derrière ça lui permet de contenir l'adversaire qui en désavantage a tenté le plus possible d'aller le chercher en deep. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, t'es désavantagé, t'as une stock en moins. Allez, ça dégage, au revoir. Oursouzbek qui a fait pour son premier tournoi online une performance de dingue en arrivant en troisième. Mais Mescol qui, s'il débarque dans le chat pour dire s'il a mal joué, mais je vais le chercher personnellement, rien à foutre. Moi, ce que je trouve très très cocasse, c'est que... Est-ce que tu te rappelles comment il a arnaqué cette première stock à Raflo? Oui. Qui a permis de gagner. Et ben genre, il s'est pris littéralement la monnaie de sa pièce, là, dans cette dernière stock. C'était vraiment l'ironie du sort, quoi.
Et on a justement Ursus Beck dans le chat du Discord qui a écrit: on avait dit pourtant fait du karaté, pas de l'edgeguard.